Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vlog mars, jour numéro 23. On est mercredi le 23 mars 2022. Il est 7h30. Aurélie a le but. J'ai changé sa couche sur pyjama. J'ai vidé son petit nez. Puis là, c'était rendormi. Fait que je l'ai remis là, dans son parc. J'ai ouvert mon rideau comme vous pouvez voir. J'ai mon lave-vaisselle de partie ainsi qu'une brassée de linge. Ben, il y avait des affaires dans la laveuse qu'on voulait laver. Fait que j'ai parti ça. J'ai écouté des petits vlogs. Je me suis habillée. J'ai sorti la viande pour le souper. Puis, on va faire du pâté chinois ce soir. Puis là. Tantôt, il faut que j'aille au jacuzzi chercher une prescription pour moi, là, mon antiépileptique. J'avais pris ma tête, puis là, il m'en reste une pilule pour asseoir. Fait que, sinon, comme j'aurais été dans le trouble demain matin, j'aurais pas pu apprendre comment me lever, puis tout ça, comme je fais d'habitude. Puis il aurait fallu que j'attende qu'à la pharmacie ouvre, fait que là, je l'aurais pris comme vraiment plus tard. Puis, je vais aller au IGA, puis je vais aller au TIGGN aussi. Puis sinon, au TIGGN, j'aimerais ça essayer de trouver des napperons pour notre table. Si j'ai quelques petits achats à faire là. La même chose pour chez G, il y a des spéciaux aujourd'hui que je vais aller chercher. Puis sinon, le montage vlog d'hier, c'est fait. Fait que j'ai pas à manipuler, il me reste la mise en ligne à faire. Puis voilà. Fait que à date, ça sonne une journée comme si on risque d'avoir un petit peu de popote aujourd'hui aussi. À plus. On a une petite coquette du réveil de sa sieste. Oui. On a tout qui est perché ici là. Je vais partir bientôt pour aller au IGA. Puis plus tard, là, je vais arrêter. Je vais aller au titre pour jacuzzi, parce que je vais faire les deux en même temps, vu que c'est juste à côté, mais la pharmacie ne rouvre pas avant 9h de toute façon. Puis, je vais appeler pour faire préparer ma prescription. Là, fait que. Hein? Oui. Faire préparer les prescriptions. Je vais aller chercher ma petite cocotte. Oui, hein? Me prendre un mes bras un petit peu. Il est belle. T'es beau souré. Fait que. Voilà tout le monde! Bon! Bonjour tout le monde. Ok. Ben, j'ai pris un autre. Ben, j'ai été chercher du savon mettre. Mais on dirait que. Ok. Les pommes sont dures quand elles sont nouvelles, les fruits. Je vais pas laver lui-même. Il est rendu comme. Il est rendu 10h25. Puis, j'ai été tantôt au IGA. Je m'avais fermé la porte là. Bon, je l'aurais fermé ça dans la tête. J'ai été obligée de chercher quelques petites choses. Là, je vais mettre mon manteau, mes souliers. Puis, je vais aller au Tigre Géant puis à la pharmacie. Je vais chercher des prescriptions pour moi à la pharmacie. Puis après ça, ben, je vais aller faire un petit tour au Tigre. Puis gang, sérieux là, on est tellement bien dehors aujourd'hui. Là. Je me sens tellement revivre. Là. Et j'ai comme ça sent juste partout le propre chez nous.
Ça sent le printemps, ça sent les thés glacés, ça sent le rosé. Ça ne va pas être. Au printemps, on dirait que je me sens rebelle. Là, c'est ce qui est arrivé. Puis ça, là, je me suis dit, bon, on va prendre un petit savon à main. Il est écolo. Celui-là, on aime beaucoup la Eve Clean. Là. Et il est au citron, tu sais. Puis là, je pense que je vais prendre un petit tapis là, pour mettre dans mon entrouille qui fait printemps là, parce que. Il va y avoir de la bain de la gadoue, puis des fois il mouille, puis en tout cas, bref. Juste au moins, quand on a du monde qui arrive, pas qu'ils mettent leurs affaires direct à terre, parce qu'on n'a plus de place dans notre rack comme c'est là. Puis, je vais regarder pour ça. Puis, cet après-midi, je vais savoir peut-être un peu mes prep, tu sais, couper brocoli, céleri, chou-fleur, et tout ça. Puis, je sais pas encore ce que je vais manger pour ça. Mais, là-dessus. Je m'en vais. Zoo Tigre et aux gens coutus. Fait qu'on se reparle à mon retour. Solène Taser, s'il vous plaît, Solène Taser, merci. Voici mon dîner, des petits bâtonnets de fromage, décrustés un petit peu de prosciutto. J'ai fait une sauce marinara avec mes produits Épicure, puis même chose ici là, pour ma trempette à légumes, trois oignons, puis je vais écouter une petite émission. Je vais boire de l'eau. Devinez à quoi je m'attaque? Ça! En plus, on a d'autres bols à mettre dedans. Hmm. Ouais. Souhaitez-moi bonne chance! Bonjour tout le monde, il est rendu 16h25, j'ai fait le souper, puisque mon père il voulait manger vraiment bonne heure à soir, fait que le souper il est fait, mon chum on va se le faire réchauffer tantôt, puis là Aurélie est sur son petit tapis, ouais, puis cet après-midi j'ai écouté quelques affaires, j'ai fait le ménage dans un armoire, après ça, ah, j'ai mis de l'eau dans une cruche qui était bouillée pour remettre dans la machine à Aurélie. J'ai vidé la lave-vaisselle. En fait, c'est pas mal ça que j'ai fait de mon après-midi. Puis c'est ça. Hein? Bébé! Elle a fait une petite sieste, mais une bonne sieste quand même. Elle était fatiguée, elle avait pas tellement dormi un matin. Pour vrai, là, quand j'avais déposé dans son parc, quand elle s'était endormie sur moi après son boire, elle a quoi dormi? Elle avait dormi à peu près une demi-heure, mais cet après-midi, elle dormait un petit peu plus. Puis, c'est ça. Fait que là, je vais jouer un petit peu avec Aurélie, puis je vais me mettre un petit vlog ou de la petite musique là, en fond. Puis, on va attendre que mon chum arrive. Il devrait arriver dans une heure à peu près. On a vraiment hâte. Il m'a dit, c'est parce que t'as dans la version fille de Mathieu. Rien comme Mathieu, là, c'était juste pas vraiment le look que je que tu veux tuer quelqu'un. Ça a de l'air bon, la recette avec la recette de brownies, là. Ah, t'as pas regardé. Ça
Aurélie est en train de s'endormir. On le souhaite pour la nuit. Puis on a écouté CTRL Z sur Netflix. Puis là, mon chum, il gagne un peu à NHL 2022. Puis dans pas longtemps après mon couchon, j'ai parti le lave-vaisselle où il était plein. Fait que j'ai les parties où je me reste comme elle devra demain matin. Puis voilà. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. Puis on se revoit demain.